Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On continue notre let's play, on est sur Sobeku. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Je fais ça juste en fait pour pouvoir récupérer une valeur plate. Je suis pas très loin pour pouvoir le faire, donc normalement c'est un simple boss. Ça devrait aller assez vite. On va tester. Pas que j'aille trop vite parce qu'en fait je passe à côté de tout. Bon, c'est logique, mais... Vous, je vais vous passer, hein, parce que c'est gentil, les gars, mais... Ouais, j'ai bloqué l'homme. Ouais. Allez, ça dégage. Ah, par contre, ouais, j'aurais pu vaincre avec les coups de grâce. Je fais n'importe quoi en plus. Ah, ça, c'est du coup de faire. Hein. Il est où ce con? Eh ben... t'es parti? Alors là... Bah... Il se fout. Il est là. Oh, t'es vilain toi. Bloqué. Ah. Ah mais je me bloque. Ah. Ah con. Il m'a bouffé. C'est qu'il est trop gros en fait, à chaque fois je peux pas esquiver. J'esquive mal. Il est tout petit, il a rétréci. Il est étonnant ce boss là. Il est surprenant, j'ai eu l'impression qu'il rétrécissait. C'est peut-être dans ma tête, hein. C'est fort possible. Bon, et ben voilà. Maintenant, on va aller chercher la dernière pièce qui me manque. Donc, je voulais te récupérer, toi, pour voir un peu ce que tu donnais. Personnage de glace. Fabriqué. 90% donc 3 sentinelles d'eau déjà et 90% de chance d'infliger gel, 100% de dégâts des ennemis atteints de gel. Vos attaques infligent des dégâts d'eau. The armor of chaos was a favorite among Valorians who hunted monsters. Et bon, on va essayer. On va essayer, madame. Copier l'équipement actuel déjà. Alors, équiper. B. Je peux pas copier Ah non, je suis obligé de le faire ça. Bon, tant pis. C'est un peu bizarre ça. Au niveau des amplifications, qu'est-ce que je peux rajouter? J'en ai deux, c'est très bien. J'aime bien l'histoire du boubou. ...45 d'esprit, chaque ennemi consécutif touché par votre lancer bouclier de 42 dégâts supplémentaires.
Ouais, j'aime bien ça. Pas que, puisque j'en ai deux. Ça, c'est quoi? Ça, c'est parfait. Alors, est-ce que j'aurais des armes de gel? Ce serait bien. 52 d'attaque, là, ici. DPS feu. DPS du vide, R, O. Gagnez 7% de charge de technique d'armes lorsque vous infligez gel. Ouais, ça va me changer un peu ça. Alors, ça c'est bien. Ça aussi. Ah. Les breloques. Ah putain, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien ça. Parce que je vais peut-être faire mal, mais... je risque d'être léger. Ça aussi c'est bien, 25%, enfin 25, c'est peut-être pas énorme de toute façon. Après on balance un paquet de coups critiques. On réfléchit pas. Ça. 131 de santé. Ouh, 159. 40% de dégâts d'eau. Ah. 42% de dégâts d'eau, 144. Ah oui, mais oui, effectivement. 3% de toutes les résistances en effet secondaire, par contre là 42% de dégâts d'eau, alors que ici j'ai 40% plus 10%. Ok. Gadou, j'en balance plein. Et ma colère d'Arconte, c'était quoi? Ça invoque des sentinelles d'eau. Ouais, c'est bon ça. On va tester ça.
puissance, esprit et vitalité. On achète... Alors... Il me faut donc un saut terrestre supplémentaire, et puis ça sera bon. J'ai 6 sauts terrestres. Quand le bastion de Bargul, je commence à connaître, on a 4 sauts terrestres. Ouais, le haut seigneur, tiens, ce sera peut-être rapide. 2 sauts terrestres. Cinq sauts terrestres. Et des aciers solaires. On va faire ça. Le seigneur spectral Decimus. Bon, c'est bien parce que ces petites quêtes, en fait, c'est plus des boss qu'autre chose, en fait. Et ça, c'est chouette. C'est rapide. Alors, on retourne peut-être toujours au même endroit, mais... C'est assez rapide. Alors, testons cette nouvelle valeur plate. Oh. Si, je sais pas quel niveau il fallait ici, mais ça va quand même pas mal. Ah, mais merde! Testons ça. Par contre, elle est pas très puissante, enfin, elle est pas très solide, donc il faudra voir ça. C'est là-haut. Si je vise bien. Ça passe ou pas ? Non, ça passe pas, je suis trop loin. Ah si, c'est bon. Et ben alors, c'est chiant avec la manette. Les couteaux, c'est des boîtes. Les petits couteaux. Alors on booste le codex que je regarde jamais. Il va y avoir des histoires intéressantes, mais... C'est dommage d'ailleurs, ouais, qu'ils aient pas boosté un peu plus l'histoire, parce qu'en fait, avec le jeu que c'est... En fait, le jeu est sorti trop tôt, ils ont voulu sortir ça à la sortie de la PS5. De toute façon, la PS5 est sortie trop tôt. Ils auraient dû attendre un an. Arriver avec une petite dizaine de jeux prêts, mais bon, c'est pas bénéf pour eux. Des jeux qui sortiront, qui seront vendus peu finalement par rapport au nombre de consoles.
Alors, je saute. Je le tente ça? T'es sûr? Je peux pas. Ah voilà. Alors, ennemi vaincu avec saut de bouclier. Et il me faut des lancers de bouclier aussi. Ouais, donc c'est un jeu qui aurait pu être très très sympa avec un petit mode histoire, une explication au niveau des armures. Alors il est très sympa à jouer, hein, il est très agréable. Mais ça aurait pu être mieux. Ouais, vous êtes des petits ennemis, vous, ça sera parfait pour faire ça. J'espère que j'en aurai assez. Parce que je me suis pas arrêté de tuer des ennemis. Non, il n'y en aura pas assez, c'est pas grave. Ah mais je t'ai violé Oh, des sinus. Oh, des sinus, merde. Bon. Eh ben, des sinus, désolé. Pardon. Pardon, je m'attendais pas à ça. Oh, tant mieux. On va pouvoir tout de suite passer à ce qu'on voulait. Toc. Tour centrale, par contre, avant, je vais aller faire booster potentiellement un peu mes armes. DPS feu, DPS terre. Oh, il y a une belle jolie épée. Oh et oh. C'est quoi toi? Restaure sans besoin quand vous plantez votre bannière. Ça c'est par rapport aux bannières, ok. Est-ce que je devrais utiliser ça? Parce que le coup de la bannière, c'est pas mal quand même ça. Quand j'ai besoin de booster un petit peu, quand j'ai plus assez de vie. Faire comme ça. Alors. Oren, we were just talking about you. Do you want the good news or the bad news? The bad news. No. Tell him the good news first. The good news is you smashed Makros's barrier into 1,000 pieces. The bad news is he sent a contingent of his Black Tide warriors to stop you. Oh, mon vol poutré. That means Makros is worried, as he should be. I'm ready to face Lunara.
Good work on collecting the sigils. Unfortunately, Macross's Black Tide forces have arrived and are using spirit tethers to fortify the luminous shelter from attack. If we do not deal with them, their defensive magic will put Lunara out of our reach. We must scatter Macross's troops. Head to the luminous shelter. Ouais, encore une fois. So we can face Lunara. On commence à comprendre. Allons faire ça, Lunara. On va aller s'occuper de toi. None of this matters if we don't find a way to break the rites of ascension. The spell is complicated. I'm making progress, but I need more time. Time is something I can't give you, Sanctum. Macross is growing in power even as we speak. I know. Hey Macross. On va s'occuper de ton cœur. Je vais te tuer, toi, t'es très loin. Oh, 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 lâche-moi. Allez, courons. Oh, tu meurs, toi ? Et Locke, hein, c'est toujours aussi complexe. Oh, je t'avais pas vu. Ça, c'est fait. Alors, un petit coffre. Et de 1... J'en ai là, les gars. They are using these spirit tethers to reinforce the lunar gate. Then I must break them.
There should be three of them. Les deux étaient au même endroit ? Non. Et j'en ai un autre par là. Là-haut. Il était simple celui-là, je pense que c'est des petites récompenses. Ouais, j'aime bien ce perso. Je trouve que... petit côté animal, effectivement, très... ils ont vraiment de la gueule, hein, les persos. Les animations sont cool. Très très classe. Ah. Voilà. Ah mais j'ai pas oublié. Alors toi là déjà. Excellent Orin. You've broken two tethers. Ouais, donc je vais retourner. Ça, ça allait où? Le truc rouge là. On revient. C'est là. Où es-tu, Lunara? Ah, t'es là. Prends ce bateau. J'ai essayé de tirer pour toi. Je crois ici. Ah, mais. Ah, mais merde! Je suis nimp là, faut que j'arrête. Et voilà. J'ai utilisé beaucoup trop de vie. Mais bon. Les lanciers m'ont pas lâché. Et puis dès qu'il y a des distances, j'essaie de me les faire. Là, il y a un truc. Ah bah dis donc.
Ça va pète. Toi là. Oh non. Je t'ai pas eu. Ici, ce sera peut-être plus simple. Ah non, je peux pas. Voilà. Oh merde. Oh tant pis. De toute façon, je pense qu'il faut que je saute là-haut. Là, il y a des passerelles. Il faudra que je tombe dedans. Je pense que c'est ça. Par contre, juste là, je suis en train d'aller au mauvais endroit, moi. Et voilà. Il est là, lui, qui en fait. On récupère des trucs, hein, ça c'est chouette. Même si j'ai plus qu'une. C'était trop court. Alors Lunara. Oh. Je mets trop de temps à partir. Je veux toujours taper un coup de plus. Mais tu crèves. Super, je touche personne. J'ai pas fait du tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est-à-dire attaquer les mecs qui étaient givrés. Bon. Elle est loin, Lunara. Allez, retournez au palais lunaire. Au portail lunaire. The Black Tide is waiting for you. Very well. I can still lift my weapon. They haven't killed me yet. Yes, Orin. Do stay alive. Our plan won't work if you're dead. Aaron, il aime la castagne. C'est une réalité. Bon, puis comme ça, on pourra partir de chez les Naga. Hop. Un coffre.
Encore. Là, je pense qu'on se rapproche. Il y a plein de coffres comme ça, c'est que c'est bon. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Non. Faire le tour tout de même, c'est jamais. Oh, l'exécuteur de la marée noire. Ah, t'es chiant, toi. Putain, mais je vais pas réussir à te voir. C'est que ça. Quoi? C'est du monde, d'accord. Encore, c'est du monde. Oh merde! J'ai pas fait attention. Ah, ma vie. Pas grave. On va te finir. Why do I have the feeling he'll be back? Let's go. C'est clair qu'il va revenir. Je crois que c'était un petit mob en fait. Alors c'était certainement un petit mob, mais je m'attendais à tuer plus rapidement. C'est pour ça que j'ai pas fait tellement d'efforts dessus. Et j'aurais dû parce que... Bah, c'est ça, je suis mort. Je reviens là. We are ready to take on Lunara. Finally. Mission principale terminée. Très bien. Ok. Bon. Bah, je vais arrêter la vidéo là et puis on va aller attaquer Lunara la prochaine fois. Je croyais pouvoir la voir tout de suite. Mais non. Graine noire, ruine et je sais pas quoi. On va regarder ça. J'ai pas beaucoup de nouvelles armes. Des pierres de vie par contre. 159. Je vais garder celui-ci avec le dégât des eaux. Au niveau des breloques. Au niveau de l'amulette. T'intéresse pas. Au niveau des bannières. Alors ça. Lorsque vous triomphez avec une technique d'armes, vous gagnez 8% de charge de bouclier. De charge de bouclier. Ok, ça m'intéresse pas trop. Ça, vous gagnez 5% de charge d'attaque polarisée. Ok, et ça, résistance au vide. Ouais. On va booster un peu les compétences. Là, il me restait... Ouais, il me reste encore ça. On va aller causer la dame.
j'arrêterai la vidéo. I have news, Auron, about the rites of ascension. Good. You figured out how to break the spell. Exactly. Now, when we reach Makros, we'll know how to stop him. Well done, Sanctum. All of Apeirion owes you a debt. This serves the greater good. Your brother must be stopped. You've gathered enough sigils, and you've cleared all the obstacles. Prepare your weapons. Ready your gear. Deal yourself. It's time for you to face Lunara, Guardian Avatar of the Silver Moon. Lunara. Allez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, au revoir.